D'abord, le Togo est un pays de petite taille qui ne peut prétendre vivre plié sur lui-même. Ensuite, le Togo bénéficie d'un positionnement stratégique au carrefour de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, il dispose d'un port en eau profonde important. Il était donc naturel pour le Togo de se développer comme un hub régional et de s'ouvrir sur l'Afrique de l'Ouest, un marché de 400 millions de consommateurs en pleine transformation. Pour la coopération agricole entre la Corée et le Togo. Et surtout, nous avons un organe qui s'appelle CAFACI, qui est l'initiative de coopération entre Afrique-Corée en matière d'alimentation et d'agriculture. Notre fondation ne travaille pas non seulement sur le domaine diplomatique et politique, mais surtout sur le domaine économique aussi. Donc on a discuté et que nous allons travailler ensemble pour augmenter cet investissement et le commerce entre ces deux pays. Entretenir avec son Excellence Monsieur le Président de la République togolaise sur le numérique, surtout que votre gouvernement s'intéresse grandement dans ce domaine. Donc nous avons tenu un entretien très fructueux en la matière. On a parlé de partenariat entre Togo et le Fonds vert du climat. On a un très fort partenariat, on avait plusieurs des projets qui sont en train d'être implémentés au pays. Je suis très honoré de recevoir Votre Excellence ici, dans notre centre. Nous sommes en charge de l'éducation pour le changement de mentalité des jeunes. Vraiment, je me sens honoré par cet accueil et je vous dis grand merci. Et au nom du peuple togolais, je voudrais remercier mon ami et remercier tous les membres de ce centre.